Il est au carrefour entre la direction de production et les équipes de production. Le Live Operation Manager est un professionnel aux missions multiples tourné aussi bien vers l'optimisation de la monétisation du jeu en ligne que de la création d'un événement, en passant par la gestion des mises à jour du jeu. Pour exercer à ce poste, le responsable des opérations doit posséder un certain nombre de compétences et pratiques, à savoir les moyens de monétiser un jeu vidéo en ligne, le marketing opérationnel, la culture du jeu vidéo, la gestion et la conduite de projet, l'analyse et les études de marché, ainsi que le management. Pour espérer travailler à ce poste, vous devrez donc passer par la case formation. Notre école GBusiness propose à la fois le bachelor Management Jeux Vidéo et e-sport, ainsi que le MBA Marketing, Communication et Transformation Digitale, deux diplômes desquels vous sortirez en maîtrisant tout ce qui est nécessaire pour exercer ce métier. C'est en France que le Live Operation Manager gagnera le moins. En tant que junior, il sera rémunéré en moyenne à hauteur de 20 000 euros par an, tandis qu'aux États-Unis, la moyenne est de 80 000 dollars par année. Pour des informations détaillées sur le Live Operation Manager, je vous invite à consulter sa fiche métier sur notre manifesto des métiers du jeu vidéo. Vous y trouverez notamment des conseils de professionnels qui partagent leur expérience.